structure industrielle ultra-moderne aux normes d'hygiène les plus exigeantes, la blanchisserie des Lions d'Arc, ouverte fin 2013. Elle accueille chaque jour 650 kg de linge. Le linge des maisons de retraite du CCAS, linge de résidents et tenues professionnelles. Nous avons par ailleurs des marchés sur l'extérieur, des hôtels, des restaurants et l'entreprise Vulcania. Tout le linge est identifié au préalable. Le linge est identifié à la fois de façon nominative ou par établissement. Et à l'intérieur du code barre, nous rentrons les programmes de lavage et les programmes de finition. Nous sommes qualifiés par rapport à la qualification RABC. Nous garantissons du linge microbiologiquement pur. C'est par un système très élaboré où se succèdent plusieurs salles que linge propre et linge sale ne peuvent à aucun moment se côtoyer dans la blanchisserie. Encastrés dans des cloisons étanches, les machines à laver. Que l'on appelle à double entrée, donc une entrée pour laver le linge sale et une entrée à l'arrière de la machine pour sortir le linge une fois lavé, donc le linge propre. C'est le Centre communal d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand, le CCAS, qui gère aujourd'hui cet établissement. Ici travaillent 19 personnes en emploi adapté, encadrées par 3 moniteurs d'atelier et un éducateur technique spécialisé. On est une structure ESAT, établissement et services médico-social, établissement et services d'aide par le travail. C'est l'ancien nom d'un CAT, centre d'aide par le travail. Le handicap majeur que l'on retrouve sur le public que l'on accueille, ce sont des troubles psychiques stabilisés. Les personnes employées ici travaillaient hier dans une blanchisserie vétuste. C'est très tôt qu'elles ont été associées à ce projet pour voir redéfini le poste de chacune pour son meilleur épanouissement au travail. Quelques adaptations simples facilitent grandement la vie. On a mis beaucoup de pictogrammes en place, de choses visuelles pour les aider à être à l'aise dans cette nouvelle organisation de travail. Ce sont des gens qui sont très investis, qui ont le souci de toujours bien faire et de toujours apprendre de nouvelles choses. À partir du moment où ils sont en confiance sur l'atelier, c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à faire avec toute l'équipe. C'est grâce au travail des personnes qui sont aujourd'hui ici pour accéder à cet outil. C'est le fruit de leur travail sur de nombreuses années.